Thomas. C'est comme il était venu visiter Thomas. Alors, Thomas na ye uniquement pour yo. Thomas, je suis venu uniquement que pour toi. Parce que tangwa c'est quoi qui? Parce que lorsqu'il fut ressuscité, ayeko visiter ba disciples na chambre bazalaki. Il est venu visiter les disciples dans la chambre. Thomas était absent. Celui qui conduit les pas du Fils des hommes, c'est Jésus. Pourquoi ça m'a dit que Thomas a raté? Pourquoi il avait fait que Thomas soit absent? Thomas a dit Elemboya Israël incrédule. Parce que Thomas était le signe d'Israël incrédule. Maintenant, mais les frères qu'il avait trouvé dans la maison, alors il recevait le Saint-Esprit. Bonsoir, mon lit, mon sang. Donc, la place où on en a Jean 20, verset 21. Donc, à cet endroit-là, dans Jean 20, 21. On en a verset 20, dit même le verset 23. À partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Thomas en est absent. Thomas n'était pas là. Donc, étale sa caboué. C'est la montre, ceci. Dans le bisou, tous une parole. Lorsque nous avons reçu la parole, le Saint-Esprit. Reçu le Saint-Esprit. Israël a zani. Israël l'a manqué parce qu'il est absent. Mais après un jour, mais après quelques jours, le Seigneur revient. Il dit clairement que je ne suis venu que pour Thomas. Cela veut dire que le Seigneur ne rejettera pas Israël à tout. Parce que dans temps où on a son, parce que pendant tout ce temps, les pierres prêchées. Thomas. Jésus-Christ a servi. Jésus-Christ. Ayaki. Il était venu. Thomas n'y m'a dit. Et Thomas n'avait pas cru. Vous en avez mal? Vous suivez attentivement. On dit Maya, Thomas, tes places sont les autres. L'olivier Israël a zalé l'eau. L'incrédulité de Thomas, cet endroit-là, c'est la position d'Israël aujourd'hui. L'icambo, ma pierre, ma zako loba. La chose que les pierres et les autres racontaient. Comment est-ce que nous devons la considérer? Jésus-Christ a l'obaki. Jésus-Christ avait dit. Dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Bah, Juif va tourner qui est. Un miracle. Les Juifs lui avaient demandé de faire un miracle. Alors, cette génération demande un signe. Et que Ezalina Kosenga et le moment comme ça est signe à Jonas. Je lui donnerai le signe ou le miracle de Jonas. D'abord, que vous savez discerner les temps. Et il leur avait dit que Boyemi Konkeseni Sabatango. Là, dans le verset 2e, la 3e, il y a Matthieu 16. Là, au verset 2 et 3 de Matthieu 16. Voilà le bac et les soirs arrivent. Pourquoi Ezalina Koya? Et comme ça, là, il y a la rouge, il y a les plaies. Le ciel sera rouge. Il y aura des pleurs. Le ciel sera rouge. Le ciel sera rouge. On a faut lire mon psaume 30, versets 5 et 6. Là, il faut les lier dans psaume 30, le verset 5 à 6. Donc, ce que nous voulons, aux psaume 30, verset 5 à 6. Si tu veux parler sur cela, tu prends psaume 30, le verset 5 à 6. Au sanguissier, en bon, Matthieu 16, verset 2 à 3. Et tu les maries à Matthieu 16, le verset 2 et 3. Au tanguina, nous psaume 30, verset 5 à 6. Psaume chapitre 30, le verset 5 et 6. Le verset 5 à 6. Oui. Même la France. Psaume chapitre 30, le verset 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantez à l'Éternel. Oui. Vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant. Mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur. Voilà, David a prophétisé. Alobi, pourquoi mon wesoya? Le soir arrive le pleur. Oui. Et le matin l'allégresse. Il faut l'amener maintenant dans Matthieu 16. Le soir est rouge. Le soir sera, le ciel sera rouge. En réalité, le ciel, véritable ciel, est le corps de Jésus.
En réalité, le véritable ciel, c'est le corps de Jésus-Christ. Les soirs, ils sont là rouges. Le soir, ce ciel sera rouge. Comme un agneau ensanglanté. Il parle d'un agneau qui a le sang. Les gens qui sont comment est-ce qu'il va verser c'est son pourquoi sang? Pourquoi les messieurs, par moi, vous savez discerner les signes du ciel. Vous avez dit que c'est ni ça, où est-ce qu'il y a mais le vrai ciel. Mais le vrai ciel. Alobaki na Matthieu 6 ta batunaki. Il avait dit dans Matthieu 6. Comment est-ce qu'il ressemble-là? Comment devons-nous prier? Alobaki ressemble-là quand notre Père qui est aux cieux. Priez Tata na biso azali na makolo. Que ton nom soit sanctifié. Kombona yo bulisama. Que ton règne vienne. Kembona yo ya. On a lobi le Père aza dans les cieux. Là-bas, il dit que le Père est dans les cieux. Au fur et à mesure, dans le temps, on a des disciples. Au fur et à mesure, il marchait avec ses disciples. A Emissi Bango, le Père est en moi. Il leur a dit, Tata, Zali, Kati, Nangai. Donc, Pierre, Bango, tout le monde, quand on a Emissi Bango, dans Matthieu 6, que Tata, Zana, Kata, Makolo, donc, Makolo, Mondo, Zanzo, Tonayo. Donc, les disciples, Tata, Zana, Kati, pourrait lui poser la question, donc, quand tu nous avais dit, le Père qui est au ciel, ce ciel-là, c'était ton corps, et le Père était en toi. Oui. Le ciel, c'est son corps. Makolo zala ki nzoto ya yewana. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, on va le soir. Si y a le bina pour. Le ciel sera rouge. Makolo ekosala rouge. Alagolo bela sacrifice na. Il parlait de son sacrifice. Nous l'aimons pour répandre le sang. Comment est-ce qu'il répandra le sang? Mais ça, répandre le sang. Mais en répandant le sang, David, alors, dans psaume 30, David avait dit dans psaume 30, il y aura les plaies. Et que ça la namile l'eau. Donc Jérusalem va pleurer. Jérusalem est ce qu'il y a là. A tiki Israël. Il a abandonné Israël. Les bisous, soit Rouana, il fera beau. Mais chez nous, ce soir-là, il fera beau et kitoko. Maintenant, tous les jours, notre temps, la Bible d'Apocalypse 1, verset 20, la Bible d'Apocalypse 1, le verset 20, ils ont comparé l'église, compare l'église, na chandelier, ou chandelier, ba pelisaka, minda, na butu. On allume les lampes du chandelier le soir. Église, ça comme la ligne. Église, ça y est, la sanza. Donc, temps de mission, c'est la nuit. Notre temps, c'est le temps de la nuit. Après ce dossier, si parcours la mission. Après, si nous finissons notre parcours. Ce qui tourne, toi, si nous sommes enlevés. Psaume 30 et prophétisent les matins, batoukadela qui n'a pourquoi bagosepela. Psaume 30 prophétise que ceux qui avaient pleuré les soirs et toute la nuit, les matins, ils se réjouiront. Donc, c'est la visitation d'Israël et vous allez. Et ça, l'insambé, koya kotala, Israël. Dieu bénisse. Amen. Donc, pour comprendre un bon dégueuana. Donc, comprenez cela de cette façon. Quand le Seigneur a zaraki yuanate, a tabate toma toma ondi mate. Les temps pendant lesquels le Seigneur n'était pas là, même si Thomas est prêché, il ne croira pas. Et Zotari Satan ou union sur l'église. Cela représente tout le temps de l'église. Israël est incrédule. Israël a zalimote me kente. Mais tant que. Totalité de l'église est okay, la nettoie. Lorsque la totalité de l'église sera enlevée, donc, pour atteindre la perfection, ceux-là qui atteindront la perfection, maintenant le Seigneur a quoi ça le programme de visite à Israël. Maintenant le Seigneur viendra faire le programme de la visitation d'Israël. D'abord, à côté dans le désoin, d'abord, il enverra le désoin pour qu'il va annoncer la parole. Pour qu'ils annoncent la parole. Après ma désoin, Nathalie Sekibino. Après les désoins, je vous avais parlé. On va le tuer. Napesaki Apocalypse 11, verset 7. J'avais donné Apocalypse. Apocalypse 7, en fausse adoration. Lorsque les nations entreront dans la fausse adoration. Les 144 000 bakota dans la fausse adoration en Athènes. Les 144 000 n'y entreront pas. Voilà pourquoi Bakoboma Bango. Voilà pourquoi ils seront mis à mort. Comment est-ce que nous savons qu'ils seront mis à mort? C'est parce que tout le temps, il dit qu'il y a parce que nous avons lu ce que le Seigneur a dit au 5e jour. Le Seigneur avait dit qu'on va tuer les compagnons de service des prophètes. Il y a
deux témoins. Là, la mort de deux témoins. Dans Apocalypse 11, verset 7. Apocalypse 11, verset 7. Mais Balaki aussi, Bakobo Malève, Balba frère Nabango. Et on a promis aussi de mettre à mort leur frère. Apocalypse 5, et Talissi Bissoke. L'Apocalypse 5 nous a bien montré. Bakobo Ma, Basangara 4000. On va bel et bien tuer les 144 000. C'est pourquoi nous avions donné Apocalypse 13, verset 7. Que la bête a posé la guerre au sein. Nyamana yaouli a kobundi sa basante. Pe a convaincre bango. Pe nyama yaouli a kolonga basante. Donc kolonga wana nikolo ba a koboma bango na nzoto. Et cette victoire là, c'est la victoire sur la chair. Mais basante yango. Mais ces saints là aussi. Totali sakibino. On vous avait montré. Ezali reste ya peuple oyo bazalaki na église ba obatikalaki. C'était le reste de l'église qui était resté. Et aussi bien les 144 000. Les 144 000 scellés. Et Dieu bénisse. Amen. Bakobo mamanale la grande tribulation. Ils seront tués du temps de la grande tribulation. Bamonde Apocalypse 15 Zolobela. C'est au sujet de que nous parle Apocalypse 15. Le verset 2. Le verset 2. Tina verset 5. Jusqu'au verset 5. Bazotali sabango lolenge balongi. On montre ces gens-là comment est-ce qu'ils ont vaincu. Apocalypse 15. Apocalypse 15. Nabandi na verset 2. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vis comme une mer de verre. Mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête. Et son image. Et le nombre de son nom. Debout sur la mer de verre. Et il y a des arbres de Dieu. Ceux-là dont on nous parle ici qui avaient vaincu la bête. Ce sont eux que la bête avait vaincu dans Apocalypse 13, 7. Donc, pour adorer bête, ils ont refusé d'adorer la bête. La bête a et la bête les a tués. Dans notre boy, la bête a l'autre. Physiquement comme ça, la bête les a vaincus. Mais spirituellement, ce sont eux qui sont d'Apocalypse 15. Balongi la bête. Ils sont vainqueurs contre la bête. Bango de bazali awa, bazo yemba. Ce sont eux qui sont ici et qui chantent la victoire. Bango wanande bazo sekwa awa en Apocalypse 20, verset 4. Ce sont eux qui ressuscitent dans Apocalypse 20, le verset 4. Et je vis des trônes. Parce qu'on les, on l'a clair. Et par conséquent, on a vie. Mais ils ressusciteront. Bon an, millénium. Pour entrer dans le règne millénium. C'est deux qu'Apocalypse 15 dit qu'ils ont vaincu la bête. Ce sont eux, les vainqueurs ici qui ressuscitent. C'est l'avenir qu'ils étaient tués. On les a tués dans Apocalypse 13, 7. Parce que la bête a continué à adorer. Parce que la bête va tuer celui qui va refuser de l'adorer. Parce que nous saisissons quand même là. Je pense que nous saisissons quand même bien. Tout simplement. Je suis arrivé ici pour montrer simplement que le Seigneur n'a pas rejeté Israël. De la même manière, il était retourné pour Thomas. De la même manière, après avoir terminé le travail de notre côté, il revient Israël. Alors, on avait montré que. Bien-aimé, j'avais dit que je vais donner une écriture d'Apocalypse 20. Et ça aussi, dans le sixième saut, qui est un événement qui est aussi dans le sixième saut. Parce que dans le sixième saut, dans le colère, le ciel est roulé. Au sixième saut, on nous parle dans la colère de Dieu, le ciel sera roulé comme un livre. Ce trône n'est pas un trône de miséricorde. Aujourd'hui, le Seigneur a un trône
bleu. Aujourd'hui, le Seigneur est assis sur le trône bleu. Soyez ma Seigneur Écriture. Si on te demande l'Écriture, au Pessi Ézéchiel 1, tu donnes l'Écriture d'Ézéchiel 1, verset 26. Le verset 26. Même au bas dans verset 24, tiens dans 26. Le même commence au verset 24 et 26. Bazobenga mon trône et à saphir. On l'appelle le trône de la pierre de saphir. Maintenant, au monde local, en Zambie, Bazalaki Koboya. Le sacrificateur va monter la montagne dans Exode 19. Voyez le Seigneur qui donnait l'interdiction au sacrificateur de monter sur la montagne. Aboya qui peut peuple monter. Il avait aussi refusé que le peuple puisse y monter. Mais dans Exode 24. Mais dans Exode 24. Tant va sacrifier en bas la montagne. Lorsqu'on a sacrifié au bas de la montagne de Sinaï. Et Fongoli porte que Nadab na Abiyuba mata. Cela a ouvert la porte de la montée de Nadab et d'Abiyu. Na Aaron comme souverain sacrificateur. Et Aaron comme et les anciens. Et les anciens. Bamataki. Ils étaient montés. Sokozu verset 10e. Si tu prends le verset 10. Exode 24. Exode 24. Balobi bato bamataki na montagne bamona ki zambe. On a dit ceux qui étaient montés sur la montagne avaient vu. Nase ya makolo na ye. Et sous ses pieds. Lokola ouvrage ya sa vie. Lokola eloko moko ya libanga talo ya sa vie ya bleu. De cette façon-là, il n'avait pas étendu sa main sur l'élite des enfants d'Israël. On va remarquer que Israël va se tambourer. Vous allez remarquer lorsque les enfants d'Israël marchaient. Sokozali na famille ya Aaron te. Si tu n'es pas de la famille d'Aaron. On continue na kati ya tabernacle. Et que tu entres dans la tente d'assignation. On avait dit que tu mourras. Yamba zavolo ba l'étranger n'entrera pas. C'est pourquoi on disait mon payakoko tate. L'étranger ou les amis sautent. Cet étranger-là n'est pas nous, les gens des nations. L'étranger ou dans le nombre 3. L'étranger dont on parle est dans le nombre 3. Et ça, en dehors, il y a famille, il y a sacrificature. Donc, c'est toute personne qui est en dehors de la famille à qui on avait remis les sacerdoces. On comprend le monde. Comment est-ce que tu vas le comprendre? Tant qu'il faut prophétiser, prophétiser, le Kouta n'est pas Néhémie. Lorsqu'on était venu donner une fausse prophétie à Néhémie, dans Néhémie chapitre 4, dans Néhémie chapitre 4, si tu le lis, on lui a prophétisé en disant que tu as fui dans les temples. Or, lui n'était pas dans la famille des sacrificateurs. Il a dit, moi, entrer dans les temples, vivrai-je? C'est ce que Néhémie avait déclaré. Et c'est ce que Néhémie avait dit. Dans Néhémie 4. Dans Néhémie chapitre 4. Wanezalaki ba faux prophète. Wanezalaki ba sakoli alokou. Ba sakoli pour na koluka koboma Néhémie. Ils ont prophétisé pour chercher à tuer Néhémie. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. À partir du verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la miraille, il fut en colère très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera ton frère. Si un renard se lance, il renversera leur miraille de pierre. Écoutons notre Dieu. Comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Et livre-les au pillage. Sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité. Et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, on continue dans verset 8. Si on continue,
bayaki ko signaler ye. On était venu le signaler pour qu'il entre dans le temple. Il a refusé parce qu'il savait que s'il entre, il allait mourir. Parce que moi, il faut être très prudent. Parce qu'il faut être très prudent. Message non sur ma compétence, yo. Tout message compétent. Il faut savoir sur les autres concorder la parole. Il faut regarder si cela s'accorde avec la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, on continue toujours dans Néhémie 4. Vous allez toujours continuer dans Néhémie 4. Donc, l'étranger qu'on interdisait, mon païen, basala qui compétissa, d'entrer dans les temples, les étrangers, eux, mis sur terre. Ce n'est pas l'étranger comme homme de nation, non. Et Zala qui va au basaki, en dehors, il y a tribu, il y a Aaron. C'était ceux qui étaient en dehors de la famille d'Aaron. C'est pourquoi tu vas remarquer. Si on fait le démontage de tous les tabernacles, il y avait des gens où les familles que le Seigneur avait désignées pour porter telle ou telle chose. Reste à Israël, le reste d'Israël ne pouvait pas voir l'arche comme ça. Bazakosi bamona drap bleu. Avec la couverture bleue. Donc ils voyaient la lumière. Il n'y avait pas moyen que l'arche puisse le faire. C'est ça, c'est bleu là, sa fille. Il y a un monde là qui a bleu, wanane, sa fille. Voilà, ce qu'on t'a dit, nombre 4, comme on en a. Là, si tu lis nombre 4, tu vas le voir. Même les ustensiles qui étaient à l'intérieur, même les ustensiles qui étaient à l'intérieur, on les couvrait avec le drap bleu. Ce qui en haut est retiré. Si le peuple sera frappé, mon peuple va vivre. Et pour que le peuple. Il faut les bleus. Il faut qu'il y ait le bleu. C'est ça le trône de Dieu aujourd'hui. Il y a un monde à Zamène et trône bleu. Le trône, trône à grâce. Le trône bleu de grâce de sa fille. Et Dieu bénisse. Ok. Écriture vous en avez mis 6 photos. Tangayamoka. Le verset 14. Tangayamo. Néhémie chapitre 6. Oui. Le verset 8. Je descends au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaéja, fils de Dalaja, fils de Métabéel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Voilà. Je n'entrerai point. Néhémie, alors, a vu par rapport à l'écriture, les en nombre, nombre 3. Néhémie a réagi par rapport à l'écriture qui est dans nombre 3. Un étranger, quand il entre dans le temple, il ne peut pas vivre. Mon païen, qui a koti na mongombo, a koki kobi kate, c'est qu'il a koufa. Néhémie a compris que c'est écrit. Néhémie a compris cette écriture. Il sait que lui, s'il entre dans le temple, il ne vivra pas, il mourra. Parce qu'il n'est pas dans cette famille-là de sacrificateurs. Ce nombre est Néhémie 6, verset à partir du verset 8. Néhémie 6 à partir du verset 8. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, tant que l'étranger n'entrera pas, lorsque tu lis que l'étranger n'entrera pas, l'étranger dans la maison, mis terre, cet étranger-là n'est pas un homme des nations. Ce sont ceux-là qui n'étaient pas dans la famille des sacrificateurs. Que tu sois de la tribu de Neftali. Que tu sois de la tribu d'Aser. Tu es étranger pour
Donc tous les fils d'Israël en dehors de la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron, sont étrangers à ces, au sacerdoce pour entrer dans la table d'assignation. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, Yango Moni, le Seigneur faisait que basi Babilo quoi temple na drap bleu. C'est pourquoi le Seigneur faisait que tous les ustensiles du temple soient couverts du drap bleu. Pour le peuple couvante. Pour que le peuple ne meure point. Peuple les avons mon arche boyé, olumbu boyé. Les peuples ne voyaient pas l'arche comme ça nu. Non. Ce n'est pas ainsi. Arche les avons si pas mon drap bleu. L'arche était couverte du drap bleu. Pour le peuple vivre. Pour que le peuple vive. Là, on t'a dit nombre 4, c'est très important. Là, tu lis nombre 4 et c'est très important. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que, nakati na yango, c'est que dans tout cela, tozo talisa d'abord et loko fo simba, on montre d'abord ce que tu dois saisir. Que âgé 2, tozo ngiwana. Que âgé chapitre 2, nous y retournons. Il y a le verset 6 na 7. Le verset 6 et 7. Et puis, si promesse. Promesse, que Dieu a ébranlé le ciel, que le Seigneur ébranlera le ciel, a ébranlé aussi la terre, et il ébranlera aussi la terre, a ébranlé aussi la mer, il ébranlera aussi la mer, et les saints. Comme le Seigneur l'avait dit comme une prophétie. Écriture l'a dit. L'écriture qui suit. Verset 6, verset 7 maintenant. Le verset 6, 7 maintenant. A ébranlé toutes les nations. A koningisaka bikolonyo sur la terre. Dès la tombe totalisaki na Hébreu 12. Maintenant le matin on avait montré dans Hébreu 12. À partir du verset 27. À partir du verset 27. Donc Elaki, on s'était rendu. Va expliquer bison une fois encore. On nous a expliqué une fois encore. Que a koébranlé. A koningisa. Cela indique les changements des choses. Malobawane zali kotali sa mbongwane a makambo. Yango toza kotala mena. Où place ma changement des choses et salées. Maintenant, on était en train de voir où est-ce qu'il y a eu changement des choses et branlées. Nous avons remarqué dans l'œuvre de la croix. Nous remarquons à l'œuvre de la croix. Le Seigneur avait ébranlé le ciel. A ébranlé aussi la terre. Il avait aussi ébranlé la terre. Donc, Ezalaki na moi. Donc, c'était la journée. Mais a ébranlé le ciel où l'île écoute. Il a ébranlé le ciel, les ténèbres sont empêchées sur toute la terre. T'as quoi rendre l'esprit? Lorsqu'il a rendu l'esprit, au Tali dans Matthieu 27, tu remarques dans Matthieu 27, au bandit même à partir du verset 50, à partir même du verset 50, t'as à rendre l'esprit? Lorsqu'il a rendu l'esprit, un soldat qui était là, soudain mon cousin qui wana, à l'obé, il dit réellement. Nabosolo. Celui-ci était fils de Dieu. Tant qu'on dit tremblement de terre. Celui-ci était fils de Dieu lorsqu'il a constaté les tremblements de terre. Là, tout le monde a dit une portion. Il y a écriture. Il y a Agédé. Là, nous avions vu une portion de l'écriture d'Agédé. Et conquissa mi-jour, il y a croix. C'est accompli le jour de la croix. Dieu a ébranlé le ciel. Ça a ningisi ma vie. Il a ébranlé la terre. Cela veut dire ils ont indiqué changement des choses. Cela veut dire ces mouvements-là indiquent mbongwane ya makambo. Il y a un autre monde qui rideau à temple katane. C'est pourquoi nous avons vu les rideaux du temple se déchirer. Et l'ingoloba sacerdoce au Israël qui avant et longue. Cela veut dire les sacerdoces qui étaient avant est enlevé au temple. Sacerdoce lévitique. Bunganga nzambe ya baléo. Maintenant sacerdoce royal est. Il y a vie impérissable. Il y a bon moyen pour ça, ça échange. Il y a bon de bon quoi dans ma cambo. Et Hébreu 12 à le Bibongo. Et c'est ce que nous dit Hébreu 12. Maintenant, il faut me réparer. Maintenant, il faut que tu saches de ton côté. Israël le paix. Et Israël aussi. Ça fait, il faut changer quelque chose en Katina. Il faut que le Seigneur change quelque chose en lui. Le Seigneur a aimé bien que Israël a ticalé la position de la loi. Le Seigneur sait très bien qu'Israël demeure toujours sous la position de la loi. Il faut à la modérine. Comment est-ce qu'il faut les remarquer? Dengue n'a expliqué qui? Comme je l'avais expliqué, les deux rois.
bakonzi mibale ya Israel. David na Saul. David na Saul. Batali saka aussi deux sacerdoces. Représente deux sacerdoces. On remarque que Saul a zabolu kako boma David. Tu vas remarquer que Saul cherchait à tuer David. Mais les Camerounais ne savaient pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? David était loin dans 1 Samuel 16. David était loin dans 1 Samuel 16. Libanda boye Saul bazobengaye roi. Et en dehors, Saul, c'est lui qui était considéré comme le roi du peuple. Mais Dieu l'avait rejeté dans déjà Samuel. Mais le Seigneur l'avait déjà rejeté comme il avait dit à Samuel. Mais il est dans le trône. Mais c'est lui qui occupait encore le trône. David tant aza loin na katia ndaku ya tata na ye. Et lorsque David est loin dans la maison de son père. Dans 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel 16. Abandite kokanga libanda, je suis roi, je suis roi. Il n'a pas commencé à crier au dehors qu'il est roi, qu'il est roi. Akomaka serviteur ndaku ya kwa Saul. Il était devenu serviteur dans la maison du roi Saul. Mais c'est tout un roi. C'est ça là qui me compte. Ma commis simple serviteur. Aye lokola musali ya pamba. Azobeta harpe na ye. En train de jouer à sa harpe. Pona kokimisa bilimo. Pour faire quitter les mauvais esprits. Un serviteur. Dans Saul, un serviteur. C'est ça Jésus-Christ aza point na liki 4. Ya bonde Jésus-Christ aza li mon papa la mina luka mine. Mais la loi esa. Mais esa la kina no tabu wa mobeko. Donc Christ est né sous la loi. Christ a motabi nasé ya mobeko. C'est Galates 4 au verset 4. Galates 4 le verset 4. Tu sois en amalant. Nous suivons attentivement. Maintenant il faut na yoye baboye. Maintenant, tu dois savoir ceci. Saul a confi dans 1 Samuel 31. Saul est mort dans 1 Samuel 31. Lors y a bataille. Natango abitumba. Et dans 2 Samuel 1. Et dans 2 Samuel 1. David a émis complainte y a Saul na Jonathan. David a composé un chant de deuil sur Saul et son fils Jonathan. L'huile a cessé de les oindre. Dans son cantique funèbre, il dit que Mafuta est tiki ko pakula bango pone tumba. Donc, par rapport à Zemboana, par rapport à ces chants-là, bien aimé, Azotali Sabri, il montre ceci. Ata Samuel a émis ce qui que Saul, royaume n'a rien de moins. Même si Samuel avait dit à Saül que ton royaume. Dans 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel 16. Saül était toujours loin de Dieu. Saül a salaki kaka mon papa la mis ensemble. Il y a toujours David a salaki. Bazako l'andaye na Saül. C'est pourquoi les jours où David était poursuivi par Saül. David a comme bombama na rocher d'Adulam. David était allé se cacher dans le creux du rocher d'Adulam. Après Wana aussi. Et après cela, Saul peine à bâtonner, bâillait dans le même rocher. Et Saul et ses gens sont venus dans le même rocher. Ils sont entrés. Balali. Ils se sont endormis. Bakardo, basanagi na David. Les gardes qui étaient avec David. Mais Balobi. Ils ont dit. Mokoti. Ô roi. Nzamba livré tes ennemis. Le Seigneur a livré ton ennemi entre tes mains. Qu'est-ce que David a fait? David a salakini. Akati panya robe. Akati songe ya sambala ya Saul. C'est merveilleux. Et Zali qui toko makata. Parce que nombre 15 le bien. Parce que nombre 15 dit ceci. Na panya robe. Na songe ya sambala. Ya ba robe nyoso ba israélite. Ya ba sambala nyoso ba na israélite ba kolata. Et zalaka na ba loi de Dieu. Donc et Zali na mibeko nzambe wana. Amen. Et ça me rappelle la frange bleue. Pe na elamba moko sika moko ya langi ya bleu. Amen. Donc etali saka. Cela représente le ciel. Makolo. Donc quand vous entendez la makambo nyonso eza la loi. Donc quand tu lis toutes les choses qui sont dans la loi, il y a le programme à l'écriture ils ont parlé na le ciel. Et sali na. Ma commune zali kolobela makambo makolo. Eza il y
yana dans la loi de Moïse. Na kati ya mobeko na Mose. Yango il faut David azwa. C'est pourquoi David doit le prendre. C'est écrit à Moïse. Et comment mande na tina na ngai? Donc cela est écrit à mon sujet. Mais lorsqu'il a coupé les poings, il a senti son cœur battre. Il a dit, ça n'y m'a pas pour la mienne en Zambé. C'est pourquoi tu vas remarquer David. Lorsque Saoul est mort, c'est alors il a dit, l'huile a cessé de loindre. Mafuta etiki ko pakola ye. Pour la nuit des amours, pourquoi les choses sont ainsi? Les amours. On m'a dit ce qu'on t'a dit Matthieu 11, verset 13. En lisant Matthieu 11, de verset 13, Malobi, la loi Mobeko, et les prophètes Nabasakoli ont prophétisé Basakola jusqu'à Jean. Kino esukane na Yohane. Les amours étaient souki. Donc c'est la fin. Jusqu'à Jean. Kino na Yohane. Jésus a eu. Jésus-Christ est venu. Vous aurez la malade. Amen. C'est comme si Balobi pays a commis. Bon, c'est comme s'ils ont prophétisé et lui est arrivé. L'accomplissement. Mais tant qu'on tambo là. Mais lorsqu'il marche. Dans ministère là, pendant son ministère. À vous respecter Saoul. Il va respecter Saoul. Vous aurez la malade. Amen. À quoi ça là et donc on a toujours écrit que le père avait dit. Il va toujours accomplir ce qui est écrit. Oyo tata Saoul alobaki. Que Dieu bénisse. Amen. Donc Saoul a son koufa na kata réalité. Saoul meurt dans la réalité. La croix. À l'œuvre ou par l'œuvre de la croix. Donc par la croix. Nazéré Koulos. Romains 10, 4 et le mi. Romains 10, 4 dit. Christ est la fin de la loi. Christ de Azali Souka Yamobeko. Vous aurez la madame, hein? Amen. Fin de la loi. Souka Yamobeko. Et cela représente la mort de Saoul dans l'ombre. Mais, le béni, Jonathan, mais je n'ai pas encore parlé de Jonathan. Je ne veux pas mélanger beaucoup de choses à la fois. Mon souci est Azali pour comprendre. Mon souci est que tu comprennes. Donc Jésus-Christ azala ki kotambola po akokisa ce qu'on appelle la loi. Jésus-Christ marchait pour accomplir la loi. Azali ko rejeté loi te. Jésus-Christ ne la rejetait pas. Mais pour accomplir. Mais il fallait qu'il accomplisse. À mettre fin à la loi na croix. A tia suka na mobeko na usali. Mais son kotalita Saoul. Mais si tu regardes à la mort de Saoul. Israël. Israël. Jésus moi dans Saoul. A pris encore un fils de Saoul. Et tient encore roi Nicoloya Israël. Et là établi encore roi sur tout Israël. Et ça la semence en Saoul est continuée. C'est comme si la semence de Saoul a continué à régner sur le peuple. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et ça la semence en Saoul est continuée. C'est comme la semence de Saoul qui continue. Yango. 2 Corinthiens 3 et le B. C'est pourquoi 2 Corinthiens 3 dit. Dis-le-le. Jusqu'à maintenant. Voilà. C'est voilà. Et l'ongoité. Demeure. Attends à l'œuvre de la croix, tant Christ a couvert, rideau et katana. Même si à l'œuvre de la croix, les rideaux du temple s'étaient déchirés. Donc, on va mettre fin à service à la loi. On a mis fin au service de la loi. Mais jusqu'aujourd'hui. Qui n'ont les noms. Les mêmes voix. Ici, Péloua, pour Israël, et l'ambawana, demain, on a installé les akakanelongi na bango. Yambonde na ombre, c'est pourquoi dans l'ombre, Esa 2 Samuel 2, verset 8. C'est 2 Samuel 2, le verset 8. Le chef de l'armée, mon kontia mapinga, a tia, moi encore, ya Saoul, mon konti, établi encore l'un des fils de Saoul comme roi sur tout Israël. Cela veut dire le même voile demain. Et l'ambawana ne l'onge zakaka. Attends qu'on a salé qui pour ça, rideau est déchiré. Même si le Seigneur avait à l'œuvre que le rideau fut déchiré. Mais Israël n'est pas la famille à Saoul. Mais
Israël ne restait attaché qu'à la famille de Saül. Oh, c'est David qui est loin. Oh, c'est David qui est loin. David, c'est Christ. David était Christ, oh Jésus. Israël est là, le bataille. Nous sommes les disciples de Moïse. Et Israël aujourd'hui ne dit que nous sommes allés bailler colis à Moïse. Christ, je te l'ai dit, était. Christ et Jésus, nous ne les connaissons pas. Ils sont. Maintenant, Hébreu représente nous, l'Église. Donc, la parole, donc, il va, elle est venue chez les siens. Et il n'y a pas de connaître. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Voilà maintenant Hébreu. Il n'y a pas de Hébreu dans Hébreu. Hébreu, mes amis. Hébreu, maintenant, c'est nous. Athènes, à la maison de Juda. Même si c'était la maison de Juda. Les Abissos. Mais cela représentait nous. Parce que le peuple d'Israël ne s'était pas dans la famille à Saül. Parce que le peuple d'Israël ne s'était plus où est resté attaché à la famille de Saül. L'Élo-Israël, il est dans la loi à Moïse. Aujourd'hui, Israël n'aime ou s'attache qu'à la famille de Jésus. Il rejette Jésus-Christ. Ça n'a pas classé à moi déjà. Le Seigneur l'avait déjà classé. Il y a beaucoup remarqué Osée 13. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Osée 13. Et côté si ma camboana n'est sacoué. Osée 13 a fait entrer ces choses-là dans la prophétie. C'est ça le sixième son. Il y a côté d'Anga et Moutouba. Moutouba, ça va comprendre le terme. Frère, qui a la zone dans le sixième son. Je suis toujours dans le sixième son malgré tous ces gestes. Osée 13. Osée chapitre 13. Verset 11. Le verset 11. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Seigneur, merci parce qu'on peut s'abîmer sur le goy. Mato Nicolo, on peut t'opérer s'abîmer ma camboy. Ton mérite est à côté. Nous ne les avons pas mérités. Mais à la grâce de Dieu. Mais c'est ta grâce propre, Seigneur. Yango, tu rendras quand même grâce. La parole à paix s'assemblée. De l'église de Saint. Partout est mon com. Partout où elle arrive. À quoi adorer cette parole? Beaucoup où tous vont adorer cette parole. Et ça, la supériorité. Cette parole a la supériorité. Maintenant, les chefs des autres doctrines disent que nous sommes des orgueilleux. Vous voulez qu'on suive seulement ce que vous dites. Nous-mêmes, nous ne disons pas que suivez seulement ce que vous dites. Dans le il est écrit. Et comment? Nous voulons prendre toutes choses dans l'écriture. Et c'est ce qui. Pourquoi vous voulez seulement ce que vous vous dites? Et c'est pourquoi il faut évacuer louer Zambé pour sa parole. Pourquoi il faut savoir louer Dieu à cause de ces cette paroles. Parole, c'est le salut éternel. L'inobamo et salut. Tu ne peux pas les comparer aux choses périssables de la terre. Alors, à l'argent. Quand je vois quelqu'un éviter la parole, je commence à écouter. Une grâce vient visiter mon territoire. Une grâce veut le visiter par rapport. Par exemple, dans un territoire. Ami Koyana Rote, tu as le programme à collecte à construction. Ne viens pas d'abord, on fait le programme de collecte de la construction et un beau temple. On veut construire le temple. Voilà vraiment. C'est pourquoi beaucoup de gens sont déjà là. Dans l'église est belle. Dans beaucoup d'églises, dites ça. Il y a une assemblée de ça. Il faut seulement l'argent. Et c'est ça qui a évité grâce. Et cela fait qu'il puisse éviter la grâce de Dieu. Grâce est d'abord un bon côté. La grâce ne vient pas d'abord pour l'argent. La grâce est d'abord pour les âmes. La grâce est d'abord pour la grâce. La grâce ne marche pas là. Moni lokola nazana programme bon. Comme si je passe par exemple à Rio, je obtiens comme $800 dans les Kineti. Je passe encore à Aru, dans les Kineti 1500. Je donne encore 1500. Les Kineti Durba. J'arrive à Durba. Ensuite 2000. Je vois 2000. Jeep est à combien? La Jeep c'est combien? 15 000. Faut en continuer. Je vais continuer encore à ici. Je vais faire 1700. 1700 encore là-dessus. Là-bas, l'église est emmenée. Ah, l'église, c'est une grande assemblée. Vraiment, je vais faire ça. Si je passe, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais
présenter pour que les gens entrent pendant la période de sa force. Parce que les gens entrent dans la carrière pour avoir de l'or. Alors voilà, ils ont une période bien. Alors là, c'est une très bonne période. Je peux sortir avec 3000 dollars. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Et ça pour monter, mais ça pour malam. L'évangile m'attend pour les âmes. Ça pour malam, m'attend pour la capona le pico. D'abord les âmes. Yambona le pico, yamilimo. On recommence ici car elle est exactement au côté à la singo. Tu peux arriver dans un endroit où les gens sont très pauvres, mais tu prêches avec. Parce que les gens aiment la parole. C'est ça la grâce. Il y a mon engolo à Tabé Katabato. C'est ça la grâce de Dieu. Osée 13, verset 11. Osée 13, le verset 11. Remarquez. J'ai nommé un roi dans ma colère. N'a pas ça qu'à mon conti, mon kona kanda nangai. J'étais l'enterré dans ma fierté. Alors, Osée a prophétisé. Ici, Osée a prophétisé, bien aimé. Ça va, messieurs. Le Seigneur a dit, j'étais donné un roi dans ma colère. Na kolongo la kaye pe. Même dans 1 Samuel 12 aussi, à Zorobé Lango. Même aussi dans 1 Samuel 12. Si on prend verset 6 à 7. Si tu prends le verset 6 à 7. Les seigneurs n'étaient pas contents de leur demande. Apaisa Bango, roi dans sa colère. Les seigneurs leur avaient donné un roi dans sa colère. Voilà, ils ont tapé Apaisi Saoul. Là, lorsque le Seigneur a donné Saoul. Et lorsque le Seigneur vient ôter ses rois, c'est dans 1 Samuel 15. C'est dans 1 Samuel 15. A-t-il dit roi Saoul? Il a envoyé le roi Saoul. A qui est-ce pour combattre Amalek? Amalek. D'aller combattre les Amalécites. Le Seigneur a gardé la rancune pour la bénémine. Sa main a battu la kakanda ya bambouna na yo basalaye. Il est écrit ainsi dans Naoum. Un grand rancunier. Pour les gens incrédules qui ne se répondent pas. C'est dans Naoum. C'est dans Naoum. Il garde rancune ses adversaires. Abatte la kakanda wana ikola banguna na ye. Tiens comme ça. Zamba, ça maintenant dans 1 Samuel 15. Hein? Maintenant dans 1 Samuel 15. Avant c'est rappelé dans ma campo Amalek à Salaki na marche. Nengi a combattu qui Israël. Maintenant il se rappelle de ce qu'Amalek avait fait. Comment est-ce qu'il avait combattu Israël dans la marche? Kaka bouye, Zamba et Messi Saoul. Dis-lui d'aller dévouer Malek par interdit. Je me rappelle de ce que Malek avait fait à Israël dans la marche. C'est pourquoi Zamba l'a à moi la vengeance. Il n'y a pas de la vengeance. Il n'y a pas que toi tu dois être rancunier. Non, non. Yo a donné un de tes ennemis. Pour toi, il a dit Linda Banguna na yo. Pardonne ceux, Baba Salomabe. Pardonne à ceux qui te maltraitent. Abitano Salawana Yemba ke Yenda Zaka vengeur. Il a dit lorsque tu fais le bien à celui qui te maltraite, c'est lui qui juge. Yenda Koya Kojiji. C'est lui qui va venir les juger. Yo pardonne. Toi pardonne seulement. C'est lui qui est rancunier. Yenda Bate la Kakanda na Batoamabe. C'est pourquoi promettre les jours de l'Éternel. C'est pourquoi il leur a promis les jours de l'Éternel qui est sa colère. Mais tant que Saoul a kendeki. Mais lorsque Saoul s'était rendu. À qui ordre t'es il n'avait pas obéi à l'ordre qui lui était donné. Voilà, ok, au 1 Samuel 15. Là, tu vas lire tous les chapitres. Zanga teni Samuel. Le Seigneur a envoyé le prophète Samuel. Amen. Il a dit va voir cet homme-là, il a désobéi. Et, son retard dans verset 26. Et si tu regardes au verset 26, Dieu a mis fin au règne de Saoul. Et le Seigneur avait mis fin au règne de Saoul. C'était toujours dans la colère. Et ça l'a dit
asirikaki. Le Seigneur s'était irrité. Bozona na malam. Amen. Nyonso esalemaki wana. Tout ce qui s'était passé là. Nzamba memeo mena na prophétie. Le Seigneur l'a amené dans les choses qui doivent arriver dans la suite des temps. Amenemo par rapport à la loi. Il a amené ça par rapport à la loi. Parce qu'il soit un prophète. Parce qu'il prend un prophète. Avota sa prophète comme un peuple. Il peut représenter les prophètes comme un peuple. Dans psaume 18, et dans psaume 18, Azozoa David comme Israël. Il prend David comme tout Israël. David a joué dans psaume 18. David chante dans psaume 18. Bona le lenge aza délivré de tous ses ennemis. À cause de la de sa délivrance sur tous ses ennemis. Et de Saoul. Ndenge Nzambe akambola ki na banguna na enyoso pe na maboko a Saoul. Saoul wana. C'est Saoul là représente la loi. Suivez attentivement. Israël va pas dans la grâce. Israël doit entrer dans la grâce. Mais déjà Osée 13. Mais déjà Osée 13. Verset 11. Le verset 11. Et le dit que la paix est mise roi dans la colère. Je vous ai donné un roi dans ma colère. Comme Saoul a signé la loi. Comme Saoul est le signe de la loi. Dieu t'a donné sa loi. Lorsque Dieu est venu donner la loi, il y avait des éclairs, des alakinamika, des tonnerres et des tremblements. Na Sinaï, la montagne de Sinaï, c'était dans sa colère. Des alakinakadande qui coupait sa mobeko. Mais il faut ôter à mon akadia Israël. Mais il doit ôter aussi ses. En manifestant sa fureur, sa colère encore. Pour nous, la colère de Dieu est tombée sur Christ à la croix. La colère de Dieu était tombée sur Christ et Jésus à la croix. Il a été châtié à cause de nous. Les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. C'était pour ôter les rois qu'il avait donné. Et ça l'a dit pour la colombe, la moncotte, à Pesaka na Kanda. À mettre fin à la loi. Il a mis fin à la loi. Pour appeler sa mise en grâce. Pour nous donner la grâce. Il a ébranlé le ciel et la terre. Il a niqué sa main colombe, ma bébé. Mais Israël a côté la grâce d'elle. Israël n'est pas entré dans la grâce. Israël bien-aimé. La place à Saoul a dit encore moi à Saoul. À la place de Saoul, il a établi encore son propre fils. Cela veut dire qu'ils ne sont plus de continuer avec la même lignée de Saoul. Donc Israël aujourd'hui, Israël, Azana Seya Mobeko, il est toujours sous la loi. Mais Dieu a voulu ôter ses rois. Mais le Seigneur viendra ôter ses rois, bien-aimés. Pour eux, a voulu ôter. Dans la fureur. Donc il viendra ôter ses rois dans la fureur. C'est ça le sixième jour. Il y a un bon dendanga à Motoba. Le lendemain moko aussi. De la même manière aussi, bien aimé. Après ça, Macambonion soit pas ya Adam. Il avait tout donné, remis entre les mains d'Adam le prêtre. Lorsque Adam a désobéi, et c'est fait si ça peut être. Cela n'avait pas plu à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Appelle-si maintenant royaume à terre naba puissante nation. Il a remis le royaume de la terre aux puissantes nations. Vous pensez que c'est mon essai? Tu penses que le Seigneur l'a donné dans la joie? Dans sa colère. Na katia kanda na ekaka. Dans sa colère par rapport à la chute d'Adam. Dans sa colère par rapport à la chute du premier Adam. Akobenga. Nebuchadnezzar, mon serviteur. Le Seigneur va appeler Nebuchadnezzar son serviteur. Tu penses que c'est avec joie que le Seigneur l'appelle? C'est dans sa colère. Et ça, c'est dans la kanda. Assyrie, mon serviteur. Moïa souria, mon serviteur. Tu penses que c'est dans la joie? Vrai serviteur, c'est vous qui Israël. Et les serviteurs qui faisaient la joie de Dieu, c'était Israël. Mais si on a choisi Nebuchadnezzar, un idolâtre. C'est parce qu'il est sous colère. Zali pointe à ça na sende ya kanda. Ya kanda pour Israël a tout cité. De la colère à cause de la désobéissance d'Israël. Il braille roi. A suit mon condiment. Nebuchadnezzar.
dans Jérémie 25:9. Jérémie 25:9. Il lui donne le royaume de la terre. Akabeli mokonzi amabe. Dans sa colère. Nakati akanda na ye. Il l'enterra aussi dans sa fire. Akoyape kolongola ekaka na kanda. C'est ça pour détruire les trônes qui ont laissé de tous les royaumes. Il y a konde koya kokwisa kwende sali likolo ya mabikolo nyoso amabele. La chute de la bête et les tirs. Que Dieu bénisse. Amen. Là, la sixième sotozana mukakana, Osée 13, verset 11. Au sixième saut, nous sommes toujours dans Osée 13, verset 11. Dans AG 2. Et dans AG 2. Il y a mon facilité, mais sont toujours dans le temps, voilà même l'obé ici dans ton box. C'est ce qui va nous faciliter encore dans la marche demain matin. Que vraiment la grâce du Seigneur est à Nicolas Nayo. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur toi. Ah, on va te expliquer tout simplement la colère de l'agneau. Et si nous n'avons expliqué que la colère de l'agneau. Pourquoi sixième saison, la colère de l'agneau. Pourquoi au sixième saut, on nous parle de la colère. Il a le programme doté les rois qu'il a donné dans sa colère. Azali na mwango a kolongola mon conduit a pesa na kati ya kanda. Et lorsqu'il donne un roi dans sa colère, il vient aussi loter dans sa colère. On a commencé d'abord par montrer la loi. On a pris les signes de Saoul. Et puis le comment est-ce qu'il avait ôté toujours, toujours dans sa loi. Parce que Saoul est le signe de la loi. De la même manière qu'il avait donné la loi. Dans Exode 19. Dans Exode 19. C'était dans sa colère. Et c'est là qu'il n'a kanda. Aussi na fureur. Il vient aussi l'ôter dans sa fureur. Christ a été frappé à cause y a ma péché. Christ a bétama qui l'icola les masou. C'était dans la fureur. Et c'est là qui n'a kanda. Et c'est là qui bonna coloca par tous les moyens grâce. C'était chercher par tous les moyens que la grâce vienne. Quand Moïse a monté avec sa femme, n'a pas n'a mis balé. Lorsque Moïse monte avec sa femme et ses deux fils, Dieu s'irrita. Sa mère silica. Mais qu'est-ce qui avait provoqué la colère? C'était le sang. Et ça, où est le mot là qui canta? Moi, si naïe Sephora, quand il prépise à moi. Sa femme Sephora a circoncis son fils. Ça parlait du lèvre de la croix. La mort a été engloutie. La mort a été engloutie. La colère de Dieu. Mais ça n'a qu'à apaiser parce que le sang est sur Panaï. C'est par la fureur de maintenant grâce à Zoya. C'est par la fureur que vient maintenant la grâce. C'est pourquoi Hébreu 8 le dit. C'est pourquoi Hébreu 8 dit. C'est par blâme. Et Salina l'olenge ya kopame la toko. Que le Seigneur annonça que la nouvelle alliance. Que le Seigneur avait annoncé la nouvelle alliance. C'est par colère. Et ça n'est mort. Pourquoi est-ce que c'est le jour où il a ordre à Moïse. Le jour où il donnait l'ordre à Moïse. Les théologiens n'avaient pas vu cette écriture. Dans Exode 4. Dans Exode 4. Azosolana Moïse. Il était en train de parler avec Moïse. Moïse a bandi. Moïse a commencé. Dans Exode 3, le Bible. Dans Exode 3. Peuple, on les a peuple la question réponse. Si peuple la pose trop de questions. Si on me pose la question, qui m'a envoyé? Je suis celui qui suit. Yannou Labango, Nazali ou Yassali. Oui, Sabango. Et tu l'as dit d'Abraham. Sabia Abraham. Isaac. Et dit déjà. C'est lui qui m'a envoyé. Atalisiena bassigne, le dit jette la verge par terre. Il lui a même donné des signes. J'étais dans Exode 4. Dans Exode 4. Moïse Kaka. Moïse était avec ses seigneurs. Kolo. Envoie celui que tu veux envoyer. Parce que moi, mon okonangaï, le bagamala mouté. Yes, irrita. Nzambe Asilika. Et lui, pourquoi il s'était irrité? Asilika Kaponani. Pour donner l'interprétation. Pour la couper sa mousse. Parce que Aaron, c'est l'interprétation de Moïse. Quand il veut donner l'explication, il s'irrite. Lorsqu'il veut donner l'explication, il s'irrite. Abi, n'y a-t-il pas ton frère, Aaron? C'est par blâme qu'il a donné la solution à problème à Moïse. Pour la grâce du Seigneur. Pour laver la grâce du Seigneur. Il y a quoi? Mon yango a dit que la nouvelle alliance est par blâme. Il a vu cela et il a dit que la nouvelle alliance fut donnée par l'expression d'un
blâme. Parce que le vrai Aaron de Moïse, c'est Jésus-Christ. Pour être Aaron, il y a solo, où il y a sali, colimbo, la maloba, mon César. Il y a un expliqué le langage difficile de Moïse. Parce que c'est lui qui explique le langage difficile de Moïse. Mais il a donné cette solution en colère. Ça m'a pensé qu'il y a un alikabouana, nassé à Kanda. Dieu bénisse. Amen. Et ça, la maman, vous bénissez par la grâce de Dieu, on entend pour la petit à petit. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous marcherons petit à petit. Mais aussi, maman, casse que. Mais toi, retiens seulement. Zambé, à ce bel akanama bété. Et le Seigneur ne se plaît pas au mal. Dans la zone, il y a un bolongolangwa, il y a une forme nios. Lorsqu'il veut enlever le mal ou le péché, il viendra dans toutes les formes. Pour établir où ils allaient bien. Pour établir ce qui est bien. C'est comme ça Dieu a ça. Et c'est pourquoi il faut s'attacher mingi na Nzambe. C'est pourquoi il faut fermement t'attacher au Seigneur. Ne recule pas. Les dieux qui t'a appelé vivant. Nzambe a ben yote. Il ne t'abandonnera jamais. Kouana na kaba promesse Nzambe te. Ne renie jamais les promesses de Dieu. La vie na yo ta problème za ngi. Dans ta vie même si le problème en compte les merveilles du Seigneur. Regarde seulement les promesses du Seigneur. Il sera ton secours. Bible lui a un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Que Dieu te bénisse. Et que la paix du Seigneur soit sur toi. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et que la grâce du Seigneur te garde. Zambé a bomba yo vraiment. Que le Seigneur te garde fermement. Oza molongi parce que Colan dimagi ko kufa. Tu es vainqueur parce que le Seigneur avait accepté la mort. Et sur toi dimagi ko sekwa. Et surtout qu'il avait aussi accepté de rester. Yango tambolaka vraiment et tambolongi. C'est pourquoi il faut toujours marcher la tête haute comme ça. Sale la ka pouvoir oza ba pesi. Il faut exercer le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Ozi ambona ngolu. Tu l'as reçu par la grâce. C'est un don. Et ça dit à ces pays qu'on pèse ailleurs. Il n'y a plus de te les donner. Olema makamba mokinite. Il ne faut pas trembler les choses de ce monde. Yes, Jésus qui est en toi. Asanios. Il est tout. Yango Paul a papa dit. C'est pourquoi Paul avait dit. Tout est à nous. Nios les alliés à l'issue. Le fait que tu as Christ. Le fait que tu as Christ dans ta vie. C'est Bella. Réjouis. Asanios. Il est tout. Nous prions. Colonna Tatonio parce que vous allez madame mi. Seigneur, je te témoigne parce que tu es tellement. Yote vous allez boningo na solo Seigneur. C'est toi le véritable amour. Ngolona yote kambibi sona omosala. C'est ta grâce qui nous a conduits dans cette œuvre. Sa la bénédiction pour na mon corps. Soit la bénédiction pour tout un chacun. Si à l'obéissance à parole. Établis l'obéissance de la parole. La vie à soumission en vérité. La vie de la soumission de la vérité. La nature et la vie à parole est ton dans la carte. L'olégué a beau moyen d'iloba remplisse mon frère. Tout ce qui est plan de l'ennemi échoue au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est le plan de l'ennemi échoue au nom de Jésus-Christ. Maladie s'éloigner, nabatante nabiso. Que la maladie s'éloigne de nos temps. Banda konabiso isa na kimia na kompo na isu. Que nos maisons soient en paix au nom de Jésus. Bomoi ya mokona mokona biso isa la malade. Que la vie de tout un chacun. Bazela nyonso tokolekato le kana elonga. Que dans tous les chemins nous passerons que nous serons victorieux. La compagne de ce nom de Jésus-Christ. Oh, Bessieur, merci. Nous te rendons grâce. Dans Colonia, soyons salis pour la vie. La grâce que tu nous as fait. La compagne de ce nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a un colosse à mon corps. La grâce, la paix du Seigneur soit avec nous chacun.